T'as voulu clasher tes tatouages, je dirais un boucaquet. Le seul gars braqué, t'es toi, on l'a percé dans ton quartier. Oh mince, ma robe a glissé. Oh là là, elle est tombée par terre. Oh mince. Oh, c'est ballot. Oh là là, la robe est tombée. Oh, comment je vais faire? Comment je vais faire? J'ai plus de robe. Oh, waouh, j'ai froid maintenant. Fais froid, j'ai besoin d'aide. Ah, c'est glacial. Oh putain. Et s'il te plaît, juste dis que t'es, voilà, que je t'ai foudroyé à mon cousin, c'est tout, s'il te plaît. T'es sûr? Oui, s'il te plaît. T'es sûr? Ouais. Mais j'ai froid là, tu vois bien que j'ai froid. Ouais, ben, mais prends la couverture du lit, me casse pas les couilles. Mais je veux pas la couverture, moi, je veux de la chaleur humaine. Ouais, bah attends. T'imagines? Passe-moi la télécommande. Ouais, tiens. Je vais allumer la télé, hein. Vas-y, fais ce que t'as à faire, toi. Non, c'est pas ça que je voulais dire. Je vais faire ce que j'ai à faire. C'est pas. Non, bouge. Eh, hey, me touche pas. À l'aide. Ça va, je t'ai pas touché. Arrête. Crie pas à l'aide. Bohan. Ouais, ça va. Tranquille. Laisse-moi m'amuser. Je m'amuse. On s'amuse. Ah oui, JB, tu connais pas toi. Ouais. Tu le connais mal, Bohan. JB, sors. Viens. Eh, hey, laissez-moi tranquille pendant que je m'amuse. Tranquille, je veux rien faire. Moi, j'ai. Eh, je t'explique, j'ai jamais fait. J'ai pas que j'ai attends, mais t'as quel âge? J'ai 21. T'es puceau? Pas que je suis puceau. C'est que... comment dire? Bah si, t'es puceau du coup, si t'as jamais rien fait. Non, j'ai déjà eu une meuf une fois. Ouais. Attends, je regarde la télé, s'il te plaît. Je vais te montrer pourquoi. Non, mais attends, qu'est-ce que tu fais? Arrête, mais je me ruine. Je suis tout débraqué. Puerté. Eh, va te faire enculer, hermano. T'es musclé, y'a pas de galère, mais tu schlingues, putain. Qu'est-ce qu'il y a, Santana? Mais qu'est-ce que tu veux, toi? Je t'encule. Je t'emmerde, toi. Ok. Casse-toi d'ici, connard. Ta meuf, ça se passe comment? T'inquiète pas, hermano. Ta meuf. Ouf, comme ça, un bon cri d'éléphant. Je l'accule but, ta meuf. Vas-y. De pute, il a bêté, bande de salopes, Kamal, Kamal, j'ai fumé, Kamal. Incroyable. Voilà, Puerto, voilà. On l'a eu, les gars. Il est tombé? Il est tombé. Ah, bicueille. Eh, les gars, on l'a couché, les gars. On lui a baisé sa mère. Les gars, les tweeters, vous connaissez, les gars. Attends, je vais tweet, ça va les gars. RT, les gars. RT en masse. Achetez des boîtes. Ça a voulu me planter hier, aujourd'hui, vous êtes prêts encore. Plan, retweetez le tout à Bohan, les gars. Tendance, liberty. Ah ok, ils ont ça. Ça doit être ça. Ah, ils ont ça quand même. Viens la papi. Recule. T'inquiète, je sais que t'as envie d'y retourner, mais malheureusement. Bon, dis-moi, que vous avez besoin de quoi? J'ai besoin de ton huile. J'ai mon gun quand même, on sait jamais ici là. J'ai besoin de ton huile contre ton gars. Attends, mais pourquoi ils sont là eux là? Bah, parce qu'ils veulent ton huile aussi. Donc donne ton huile. Tu veux mon huile? Mino, actuellement, je suis en train d'arriver du popcorn. Ne m'adresse pas la parole. Ah ouais, mais attends, Malcolm, tu crois on est à UGC là? Tu ramènes des gens non, ici? Non, ça se passe pas comme tu crois, ça se passe pas comme tu penses. Il y a les cops en dessous, je crois qu'il y a les cops en dessous. Les cops? Ouais, tranquille, de toute façon. Bref, ton huile contre ton gars. Mon huile contre ton gars. Ah, et la fin de cette guerre, et vous gardez le terrain de basket. La fin de cette guerre, putain, j'ai vachement envie de la continuer, c'est bizarre ça. Ouais, les petites guerres, les gars, va falloir peut-être partir, je pense. Fils de pute, voilà. Les petites guerres, je sais pas c'est quoi le problème entre vous deux, mais en tout cas, là, vous dérangez un parking, le parking il est fermé, soit vous faites la guerre dans les rues ou dans vos quartiers, soit vous partez. En tout cas, j'ai vraiment pas envie de vous arrêter tous. Donc soit vous montez dans vos véhicules et vous taillez, soit vous restez ici et je vous arrête. Choisissez, vous avez le choix. Ouais, on bouge. Vas-y, on va régler ça, putain. C'est chiant. On va se revoir. Yo. Grâce à l'appli Matchmaker, j'ai peut-être trouvé mon âme sœur. Direction le coiffeur avant de date ce coup de cœur. Si c'est ce que tu veux, fais. Je te donne le choix.
Je préfère mieux mourir par toi que mourir par les autres fils de pute. Toi, je t'ai vraiment fait galérer. Toi, je t'ai vraiment fait souffrir. Toi, tu mérites ma mort. Pas eux. Fais ce que t'as à faire. Tiens. Tu fais quoi? Mais je peux pas te faire de mal, Tuerto. Tu crois vraiment que je vais te faire du mal? Si je suis là, c'est justement parce que je sais que t'es en danger et je sais pas comment je le vivrai de savoir qu'il t'arrive quelque chose. Il va rien m'arriver, t'inquiète pas. Juste, tourne pas autour de moi, vraiment. Vraiment. Tu as posé des questions sur moi, t'as dit des trucs. Dis-moi ce que t'as dit. Non, j'ai rien dit. J'ai juste dit que ça faisait longtemps que je traînais plus au quartier et que je vivais qu'au cabaret et qu'on se voyait plus du tout et voilà, c'est tout. La projection marine. Non, merci. La plongeon marine. La plongerie. Plongée sous-marine. Est-ce que c'est plongerie. Difficile à dire, sérieusement, Malcolm? Quoi, les trois, c'est gênant, hein. Il est en train de craquer. Arrête de rire. Rien à faire ici déjà. Moi je t'ai pas buté quand j'en avais l'occasion, toi. Elle est pas trop tard, Malcolm. Là par contre, elle marque un point là par contre. Tu veux pas aller rigoler là-bas, Gogol? On dirait dans l'émission de C'est mon choix. What the fuck? Mais va rigoler là-bas, vas-y. Super. Vous aiderez comme un piqué. Effectivement. Oh, mon frère, il chante, venez. Prends le micro. Il est trop fort. C'est beau. J'ai mal à la tête. Il est incroyable. J'en peux plus. Il me chauffe, j'en ai marre. Putain, pourquoi ma mère, elle l'a sorti, celui-là? Bonne question. Ce que t'as pas compris, c'est que tu vas arrêter. Là, tu vas arrêter tout de suite de le hacker, de faire le gars, ouais, j'ai des conditions, tout ça. T'as rien sur moi, crois pas que t'as une longueur d'avance sur moi, t'as strictement rien. T'es rien du tout, t'es rien. Tu vas rien faire. Ok, bon, vas-y, j'ai les gars, on décale. Non, vous allez pas décaler, vous allez pas décaler. Avancez, les gars, avancez. Vas-y, reste là. Tu vas allumer son père, Allumer personne. On va pas vous laisser vivre, les gars, vous êtes fous, quoi. Je vais allumer son père. Malade, t'es malade. Tu vas l'aimer. Vas-y, tiens pas ta life, cousin. T'es foutu. T'es foutu, vas-y, dis à tes gars, les pompistes, de se calmer, t'es foutu. Il a fait ça pour appeler les flics. Comment ça on laisse partir, il a fait ça pour appeler les flics. Il a fait ça pour appeler les flics. Shootez-les, mais... Malcolm, je vais les shooter. Shootez-les, mais ils sont partis pour appeler les flics, donc faites vite. Voilà. Vas-y, venez. On bouge. Il veut quoi, lui? Tu dis quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Cherchez qui? Des gens. Je suis à Haïtine, moi, qu'est-ce qu'il y a, hermano? Bien sûr. Mais non, t'es un bon, c'est un bon l'Haïtine, les gars. C'est un bon l'Haïtine, les gars, non? C'est le petit Tuerto, lui. Viens, ah oui, je vais bien, on serre la main, mon gars. Mais non, ça va. Mais non, t'es un bon, toi. Tranquille ou quoi? Viens, t'as vu le couteau, mon gars? T'as vu le couteau, mon gars? Là, viens, juste là. Le couteau, non, pas encore. Regarde, voilà. Ils sont tarés. Ouh! Haïtine, toi. Ah oui, c'est une Haïtine, oui. Vas-y, faites-le monter dans la chop, les gars. Vas-y, viens, on va aller plus loin. Monte dans la chop, là. Moi je suis pisse, mais moi il y a rien, je suis membre du gang, comme ça, tranquille, le neveu de Tuerto. Bah tu vas payer pour les erreurs des autres. Moi à la base, je viens de Los Santos, moi hermano. Les hermano, je peux leur demander si vous voulez. Mon gars, ici c'est pas Los Santos, non, ici, mon non, mais gars. Oui, la mais de ma mère c'est pas Los mais Santos. Mais je sais que c'est pas Los Santos, le conflit il va jamais se résoudre. Vous allez me planter aujourd'hui, après demain ils vont vous planter, après demain on va vous planter. Ça se finit jamais, c'est le seul initié de la haine. Moi je vais te canner, personne va être au courant, tu vois ce que je veux dire? On va aller t'es derrière là, dans je les vais lui arracher la carotide, les gars. Non, mais non, fini, hermano, mais arrête. Si. Appelle-lui le débile, hermano. Ah ouais, les gars. Mais je crois, les gars. Il m'entend bien avec eux. Moi, attendez, moi, c'est comment là, j'ai envie de te canner, toi. Mais non, mais moi, il a rien fait, c'est pas vrai. Je t'ai trop vu, toi. C'est pas vrai, il a rien fait, il a jamais manqué de respect. Déjà, tu viens au mécano, toi, tu casses les couilles, toi. Toi, je me rappelle pas. Non, c'est pas vrai, je suis un client fidèle. Moi, il a rien fait, je suis gentil. Il monte à Mierno, il ramène des prostituées au triangle, il fait tout ce qu'il faut, mais il paye pas quoi.
quand tu vas réparer ta voiture. Mais bien sûr, je paye. Arrête de mentir. La dernière fois, Biondo, il m'a mis un coup de couteau déjà la dernière fois parce qu'il est pas payé. C'est bon, maintenant, je paye. Bon, les gars, on en fait quoi de lui? Mais c'est simple, moi, je vais le canner, les gars. Non, ranger les couteaux, c'est simple. Lui, on va le piétiner sa grand-mère. On a pris l'argent qu'on avait à prendre. Parce que mon gars, piétinez-le, mais en fait tes potes. Ouais, juste pas de couteau, les gars. Attendez. Le gars Ooms, il a pris une balle, il s'est fait planter. Ok, vous voulez me piétiner, croyez-moi. Ah, moi, dis-le, enlève le tich. Mais tu crois? Ah ouais, c'est qui est lance-toi. Vas-y, baisse-le. Viens, enculé. Niquez-le, les gars. Mettez-lui des pénaux, les gars. Penalty, pousse-toi. Vas-y. Écarte-toi, laisse-moi mettre une frappe là, Arrête. Oh là, gros pointu dans ton cul, mon gars. Cabron. Attends, prenez-le en photo. Bon allez, petit trou de balle, et que je te revoie plus, hein. Mais tu m'as frappé chez moi, tu veux me revoir plus où? Comment ça, chez toi? Ben oui, j'étais chez moi. Devant la médaille. Qu'est-ce que tu racontes, mon gars? Tiens, juste pour ça, encore un péno, mon gars. Putain, vas-y, on se barre, les gars. On cherche Boran. Ce qui est Boran? Boran, pourquoi? Ah bah sur Twitter, mon coco. Non, mais ça c'est... Mais c'est faux, mais c'est pour... Non, on va devoir prendre Boran. Les gars, c'est soit vous nous dites où il est. Il est pas là ce soir, Boran, il est pas là. Il est pas là? Tu vois? Putain. Voilà Boran, monte-leur, les gars, baisez-les, ces bâtards. Okay. Non, on est avec l'autre. Cavaler, oui. Et là, on devrait sortir et... On va vous faire une demande de backup, il va falloir plusieurs unités là pour interpeller plusieurs individus. Il y a pas besoin de faire une descente pour le coup. On peut être dans la cité. On est dans la cité. Ok, on voit, ils sont au centre. Ah, vous voulez vous attaquer à la police? À terre. C'est la police que vous voulez vous attaquer? À terre. Avec ton téléphone toi. Ça pue. Viens là. À terre où tire. Viens là. On va avoir un truc dehors, à terre. Vous n'avez pas marre de vous faire remarquer? Vos mères, vos tantes, elles regardent depuis le balcon. On doit rentrer chez vous, un par un pour des perquisitions. Vous êtes là, vous faites remarquer. Faites-vous bas. Faites-vous petit. Messieurs, avec le débardeur, venez s'il vous plaît. Mais là, on coopère, vous nous affichez devant nos familles. Vous nous faites passer pour King, quand Bohan, je te l'ai demandé. Là, il y a 20 minutes, je t'ai dit, dis-moi où il est. La vie de ma mère, je sais pas où il est, Boran. Tu savais où il était, c'est celui qui a planté, c'est celui qui a planté avec Maru. Tu savais qu'il était là, t'as voulu faire le mec, mais il a crevé un véhicule et tu l'as encouragé dans sa connerie. Il était là, t'as vu, il était là, mais la vie de ma mère, c'est pas. Mais il a crevé mon véhicule. On sait que c'est vous qui avez encore drive-by. Les deux personnes sur mon point, vous me les fouillez. On n'a pas d'armes, quel dingue tu veux trouver avec moi? T'es sûr de toi? Donc moi, quand je fouille l'île des villes, quand je fouille l'île des villes et que je le trouve avec un pétard et que je le couvre pour pas qu'il prenne une perpète dans sa mère la pute. Ok. Y'a des armes, donc me prends pas pour un con. Y'a des armes, oui ou non, dans vos entrepôts, dans vos caves là, y'a des armes ou pas? Non, je t'explique, l'île des villes il a son arme perso. Ok, mais moi je te parle de toi et ton petit groupe là, de Cassos. Vous avez des armes, oui ou non? C'est le moment d'assumer. Non, y'a que l'île des villes qui était pétardée. Parce que là, le délire c'est que vous, on sait que vous allez drive-by. Votre connerie à vous là, c'est que là y'a de la drogue dans vos caves. Vous allez prendre tarif. Mais j'espère pour toi King, que tes armes tu les planques pas chez toi. Parce que si tu les planques chez toi, t'es dans une merde incroyable. Tu frappes des gens au cabaret, les gens ils déposent plainte. On doit te convoquer, mais en même temps tu fais l'objet d'enquête. Ton quartier, vous faites la zizanie, vous foutez le bordel, mandat de perquisition. Vous faites de la merde. Le procureur, il en a marre, mandat de perquisition dans votre quartier. Toi d'ailleurs, je vais bien parler doucement, t'as un pétard, il t'a servi à quoi ce pétard aujourd'hui? Ah, tu connais, c'est au cas où, au cas où. Tirer. Non, au cas où. Donc là, t'as rien à voir sur le drive-by qu'il y a eu sur Tuerto. Hein, du tout. Bah non, Tuerto, on s'entend bien, Tuerto. Ah, c'est pour ça que vous entendez bien par rapport au crack encore? C'est toujours d'actualité, votre guerre sur le crack? Bah écoute, t'as vu, si je te donne un petit truc, est-ce que tu t'essayes de faire en sorte de d'arranger tout ça? Regarde juste la poubelle. Il faut un gros truc. Regarde juste la poubelle. Et de derrière, là? Regarde toutes les poubelles. Un clochard, moi.
Retourne dans le sens, je te rappellerai quand j'aurai fouillé tout. Tiens, replay s'il te plaît et remettez-le juste dans le centre. J'ai un truc à vérifier. Ah, arrête-toi. Arrête-toi, arrête-toi. T'as 54 à centrale, je viens d'interpeller l'individu Boran qui a essayé de m'agresser avec un couteau. Je rejoins tes potes maintenant. Ramène-le au milieu bien. Tu peux t'en charger s'il te plaît, c'est vraiment un truc à vérifier. Non, tu vas t'en charger. Oh, range ton couteau, dépêche-toi. C'est bon. Range ton couteau, grouille-toi. C'est bon. Ton couteau, je te retasse. Super, tu descends. Et messieurs, dames, un tonnerre d'applaudissements pour celui qui a causé tout ça. Boran, tu t'assois à côté ici. Dépêche-toi. Ils vont sur le podium. Ah, là-bas. Ouais, lui est sur le podium. On va tourner. Il est pour toi celui-là là-bas. Sur le podium avec son pote. Grand arrêt. C'est bon. 44 menés sur le podium avec son pote. Boran le vaillant. Tu me repousses encore une fois, je t'arrache ta mère. Eh moi je suis un homme. Force à toi Boran. Force à toi. Les hommes. Et je bloque. Lève tes mains, Seth. Ça y est, lève tes mains. Okay. Ah, je lève mes mains. Vas-y, mets-toi contre le mur. Dépose ton gun dans la poubelle. Vas-y, carré, vas-y, dis-lui ce que t'as à dire. Ah là. Retends-toi. Regarde le gars qui t'a buté sa sœur. Tu te rappelles quand tu dis, ouais, ta sœur la pute et tout, dans les frontières, tu fais le gars et ça. Là, on fait comment maintenant, Seth? Tu te vantes d'avoir buté ma sœur, ouais, ta sœur la pute et tout, comment maintenant? Je vois qu'apparemment, je suis le seul à avoir de la parole dans cette famille. C'est quoi tes derniers mots? Qu'est-ce que tu penses du fait que tu travailles pour les Niners, garçon? On n'est pas là pour les Niners. On est là pour parler famille. Tu travailles pas pour les Niners, alors pourquoi t'as pas là pour parler famille. On n'est pas là pour parler famille, business, tout ça. On est là pour parler seulement de ce qui se passe. Tu peux me laisser parler de ce que je veux si c'est certainement mes dernières paroles, espèce de trou de balle. Appelle maman. Face à la mort, tu crois que je vais... Appelle maman. Fais-lui tes adieux. Je vais faire ma salope et ouvrir mon cul. Non, d'abord j'ai envie de me défouler. Non, attends. Pour toute la souffrance que tu m'as fait endurer depuis toutes ces années. Parce que je savais pas que c'était le tueur. C'était promis quoi. Duchesne, la vraie personne qui a tué Keisha, il se trouve devant toi. C'est moi le con. C'est toi qui as porté le coup de batte. Parce que t'étais jaloux, Seth. Duchesne, on en revient au même point. Quand on s'est fait drive-by, c'est pas vraiment celui qui a appuyé sur la gâchette qui est le coupable. C'est celui qui a causé cet appui sur la gâchette. Là, c'est encore la même chose. J'aurais jamais tué Keisha, c'était la femme de ma vie. Et peut-être que tu veux pas l'entendre et peut-être que ça t'énerve. Ouais. Moi je l'aimais, j'ai tout donné pour elle. Voilà. Je te le dis Duchesne, j'ai jamais voulu vous le dire. Parce que moi, j'ai pas envie de passer pour une salope devant vos gars, ni devant les miens. La vérité c'est que moi je l'insulte. Parce que j'ai envie de me dire que je l'ai tuée pour quelque chose, parce que je la détestais. La vérité c'est que je la détestais pas, et que je l'aimais tellement que j'ai pas pu me contrôler. Et pourquoi Malcolm il m'en veut? Pourquoi Malcolm il veut se venger? Parce qu'il se rend compte qu'il a eu tort, et il essaye de se mettre en tête qu'il a raison de vouloir la venger. Et il essaye de mettre un coupable là-dessus parce qu'il fuit la vérité. Parce que le vrai coupable c'est lui. Parce que c'est dur dans la vie ouais, de se rendre compte que le coupable c'est toi. Vas-y, pointe-le, on arrête. Vas-y, pointe-le, Jane. Pointe-le, il a tué ta sœur. T'as tué ma sœur dans tous les cas, espèce de fils de pute. Fais pas de conneries, fais pas de conneries. C'est déjà parti en couille. La guerre elle est déjà déclarée, tu le sais, Seth, ça depuis bien longtemps. Depuis que t'as dit que t'as buté ma sœur au cimetière. Ça la fera pas revenir. Mais au moins je mangerai mon honneur. C'est bon. Est-ce que tu veux en finir avec cette histoire? C'est bon. Me tuer, ça la fera pas revenir. C'est bon, ta gueule, on va pas te buter. Mais je te jure, putain de merde. C'est bon, on le tue pas, Duchesne. T'as vu, on le tue pas? Mais la vie de ma mère, ça c'est pour ce que t'as fait au OG. Au cimetière, sale fils de pute. Ça c'est pour ma soeur, et pour ce que t'as fait au OG d'ailleurs. Tu lui enlevé un œil, sale fils de pute. Duchesne, non. Tu lui enlevé un œil, Arrête, c'est mon frère, arrête. Y'a plus de débat. Et je bloque, c'est la cahier. Les shooters vont pas te rater. Et je sais faire que de la plata. On t'allume, c'est le quartier. Baisse l'équipe à ceux d'à côté.